Alors ici aujourd'hui on fait, enfin depuis trois vendredis d'ailleurs, on fait un atelier cuisine avec les CE2. Enfin, d'abord il y a un intérêt sur le plan alimentaire parce qu'ils ont bien sûr avant une préparation, qu'est-ce qu'on doit manger, sur une alimentation saine on va dire. Ce sont les enfants qui prévoient le menu, qui l'inventent, et puis après ils le mettent en pratique, ils le font. Avec l'équipe de cuisine du Boréal. Et ce midi, tous les copains pourront goûter à leur création. J'ai fait une intervention en classe pour expliquer ce qu'était l'équilibre nutritionnel, le plan alimentaire. C'est essentiel pour l'éducation au goût. Ah bah super. Les élèves ont d'entrée de jeu adoré l'idée et ils ont été très créatifs. Il nous a proposé de faire un plat végétarien particulièrement. On a travaillé en SVT tout ce qui concerne l'alimentation humaine, l'origine des aliments, la pyramide alimentaire, comment équilibrer un repas. C'est un projet qui fédère autour de la cuisine, ça plaît à tout le monde. Et là, du coup, ils sont venus pour cuisiner le repas pour les enfants de maternelle et d'élémentaire et en fait, leur montrer un petit peu l'envers du décor. De voir la cuisine aussi, parce qu'ils ne s'imaginaient pas la cuisine aussi grande, donc ça leur a permis de voir et le matériel et les locaux. C'est vraiment une expérience pédagogique qui est aussi enrichissante pour nous que pour eux, quoi. Ils apprennent comment on fait la cuisine, le matériel qu'on utilise, les recettes qu'on peut élaborer, comment on travaille, les conditions dans lesquelles on travaille. Alors voilà, c'est un autre univers pour eux aussi. Et ensuite, voir tout à l'heure, après le repas, si ce qu'ils ont fait, ça a plu. Parce que ça, c'est l'essentiel, c'est que ça plaise à tout le monde et puis qu'il n'y ait pas trop de gaspillage. Ça, c'est le but final. Voilà. Ça renforce le lien entre les enseignants et l'équipe cuisine. Et donc c'est parfait. C'est pas moi qui ai eu l'idée, mais c'est une très très chouette opération.